Bon, moun ki va devè bab tounen encore, encore c'est reproche. Alors pour moun ki va devè bab tounen encore, m'a dit yo encore c'est reproche. Alors la nouvelle c'est que la trahison trahit toujours le traître, mais m'en croyant bien faire, il se faut voir lui-même, nous va faire grand français, non? Oui oui, et pas vrai qu'on fonde nous, on avance. Alors breaking news, m'a confirmé pour nous selon information 5 médias colombiens différents confirmé. Et ben FBI qui c'est bureau fédéral investigation pays États-Unis arrêté Mario Palacios et arrestation sa fait dans airport Panama côté l'état fait escale. Alors escale comme nègle, faut préciser bien. Alors vos amis dit sa parole l'a dit, on me redit encore selon information plusieurs médias dans pays Colombie, alors il y a plusieurs dépêches pour nous dépêcher confirmé pays Panama décidé lui-même considéré Ndagati notice rouge là, mais comme si Haïti te mette ça. Haïti vous avez lui même pas connaître qui ça c'est. Alors probablement c'est pas notice rouge Haïti, même si moi El Tiempo parler de notice rouge Haïti à lui-même dans les pas là. Donc FBI c'est bureau fédéral d'investigation. Alors pour nous qui posez une question hein, faut me dire nous ça qui passé à pagayer vol qui t'a fait vol direct pour sortir Kingston, Jamaica, pour aller à la caille Palacios, Colombie. Alors, nous tous qui haïtiens, alors moi-même, au Mexique, c'est Panama qui est plateforme d'Acadie qui est plus facile pour aller en Amérique latine. Non? Et c'est lui-même qui vit à Brie, tout l'homme sorti dans Caraïbes. Alors, Caraïbes n'est pas forcément très très connecté que ça. Donc, c'est à travers Panama. Nous connecter avec Brésil. Moun ki Chili, si gen moun Chili en bas live là. Si gen moun Brésil en bas live là, yo capable témoigner parce que moi même te kon croiser yo en pile les portes Panama parce que pam le m'bralé au Mexique. Dès toujours yo a flâner dans les portes là. Ça il est la sortie en Haïti a, il prend un avion pour les Copa. Alors Copa m'a pas le mal non, mais oui, mon va avion, on avance ça. Il prend Copa et puis pour Copa donc là il Panama. Alors dans jour qui chance monter a et puis de Panama pour prendre l'autre avion. Probablement pas encore pour aller au Brésil ou bien pour aller au Chili. Et bien, semblait son transbordé comme ça que monsieur ça, qui c'est Mario Palacios, tape fin. C'est-à-dire, pas ton autre cause, c'est même cause. Donc, c'est dans le dossier ça, lui-même, Mario Palacios. Le Mario Palacios, lui, monsieur, va le soumettre lui à la justice pays États-Unis. C'est ça, journal là, écrit. Alors, c'est un plus gros journal qui vient dans le pays. Je vais parler de El Tiempo. El Tiempo, c'est un plus gros journal qui est dans le pays Colombie. Et bien, message journal l'a dit. Alors, El Tiempo, donc, message dit dans le dossier Palacios. Il dit affaire qui concerne le pays d'Haïti, Mario Palacios pourra le soumettre à la justice américaine. Mario Antonio Palacios, il a accusé l'assassinat en Haïti. Et bien, il a capturé M. Panama, police panaméenne. Donc, il y a une photo, monsieur, avec la police panaméenne, dans la dépêche-là. Après arriver, monsieur, dans le pays Panama, eh bien, Colombien rend tête li ba autorité américaine. Yo. Alors, il dit, Colombien rend tête li ba autorité américaine. Est-ce que c'est lui-même qui demande aux États-Unis arrêter? Est-ce que les États-Unis ont décidé d'arrêter lui, dit quitter ou arrêter lui, puis une arrestation ça? Alors, pas qu'on est, même tout ça qui écrit. Pas oublier, non, il m'a pas de la semaine qui passe là. Mario Palacios en l'air pour le river Miami. C'est-à-dire, je suis arrivé à Miami probablement dans une heure et demie, la braterie Miami. Ça veut dire, moi-même, je parle de bagaille qui a unfold. C'est-à-dire, yo écrit, yo même, je parle de journal El Tiempo, que Mario Palacios rend tête donc par l'autorité américaine. Donc, est-ce que c'est lui-même qui m'a dit autorité États-Unis arrêter? Bah, qu'on est en mesure confirmer ou infirmer, mais je ne sais pas ça El Tiempo dit. Ok. Eh bien, il y a une source dans le gouvernement qui confirme pour le journal El Tiempo que Mario Antonio Palacios, eh bien, il a capturé monsieur dans Panama City. Panama City, quand il a voyagé, il était en transit pour le sortir Jamaïque, pour aller à Bogota, c'est en Colombie.
en tant que déporté. Ça dit c'est déporté ou t'as déporté, c'est déporté pays Jamaïque, t'as déporté la Caline dans pays Colombie. Et bien sous cela noté que, alors son source gouvernementale qui confirme que El Tiempo, que Marion de Valacios, et bien ont été capturé monsieur de Panama City. Sous cela dit, autorité panaméenne yo appliqué notice rouge, c'est-à-dire mandat circulaire que Interpol t'a fait pour Haïti. Alors par contre si nous tendez, si nous prenons là, autorité haïtienne n'a pas rafraîchi les lisières. Mais Panama considéré premier notice rouge que l'équipe Claude Joseph là t'a mis derrière Mario Palacios là. Et bien puisque Haïti n'a pas retiré rien. Donc ils ont considéré ça, il a fait assez causé par Jamaïque. Et bien eux-mêmes, ils ont fait affaire par eux. Ils ont décidé d'activer notice rouge. La notice haïtienne, c'est les red notice qui c'est en sorte de avis de recherche internationale que ils ont mis dans le corps. Dans des airs, on est qui a cherché. Alors, à toi, les gens, les gars, mais vous mettez une notice rouge, vous mettez une notice rouge. Si organisme, l'État, police, la caille, l'État, ça, donc, non, parole, Interpol, eh bien, Interpol, l'autre pays membre, obligé de coopérer pour notice rouge, ça. Eh bien, c'est pour ça, donc, Panama, décide lui-même, fait arrestation, ça. Mais autorité Panama, vous dit, au fait, c'est en fonction de red notice. Gouvernement et alors et équipe Claude Joseph Temedea, équipe Claude Joseph Temedea, donc c'est pour même red notice ça, donc que même nous fait que Haïti débaille. Et bien après capture là, et bien États-Unis fait demande par intermédiaire Bureau fédéral d'investigation. Il a parlé de FBI, il a parlé de la police fédérale aux États-Unis. Et bien par intermédiaire FBI, qui c'est Bureau fédéral d'investigation, hein, et bien il prend ici donc. Ils ont monté à bord en avion qui bralait Miami la donne. Alors ça yo ba di, est-ce que avion ça, si avion FBI a été sous place Panama, est-ce que FBI a été tourné la passé par Panama, yo été tout retenu là? Est-ce que autorité américaine yo t'es entendu avec Panama pour yo tout réparation si elle la passé? Bah tout ça c'est bonne question. Alors prenez nous, on a posé mon question en live là. Tout moi question oui. Je pose une barre, mais je question. Il y a plus de belles questions à poser en live. Oui, question à l'étoile, question à l'étoile, il y a un plus en avance. Donc, on y a. Et on a dit match la ride. Et je dis match la ride, je dis match la belle, je n'ai pas prétention ça. Mais bien content. Oui, bien content. On y a, je m'attendais, ça, États-Unis a dit lui-même, qui sa parole l'a dit. Oui. Donc, c'est ça. Et nous-mêmes, nous avons bien envie qu'on est. Oui. Le problème, nous avons bien envie qu'on est, papa. Nous avons bien envie qu'on est. Ça va, elle a dit. Ok. Alors, pays Colombie, t'es dit, t'as pas arrêté, monsieur, tout. En tout cas, et Panama, elle fait l'avant Colombie. Elle est mouillée, elle est pas tellement point dans Colombie. Parce que moi, journal El Tiempo précise que pays Colombie, t'es gagné plan pour arrêter, monsieur, tout. Ok. Mais. Bon, et qui m'a dit, Fernando, est-ce que c'est le gouvernement Ariel Henry qui fait poser? Eh non, non, je ne sais pas si Ariel Henry a vu un problème. Il a pas bien Ariel Henry dit qu'il a assassiné le Gonaïve. Oui, papa. Oui, Ariel Henry dit qu'il a assassiné le Gonaïve. Oui, comment il va te connaître? Oui, oui. Comment il va te connaître? Ariel Henry dit qu'il a assassiné le Gonaïve. Là, voilà. En tout cas, Marie Palacios, Palacios, n'a même autorité américaine. Selon information qui est disponible, information de première main, selon information de première main qui est disponible, donc Mario Palacios, Palacios, non mais autorité États-Unis, monsieur a atterri dans Floride, dans Miami, et aïe aïe, de supposé les vols là, oui, on va regarder, dans environ une heure de temps, monsieur a atterri. Miami, donc environ une heure de temps avec KDL, monsieur dans route pour Miami. Ok, Mario Palacios dans route pour Miami. Ok, on est qui dit Fernando et parole en pile. Je parole en pile, vrai, mais moi-même nous connaissons une autre activité pour Google. Si parole nous pas faire au long, même si nous seulement pas oublier toutes les amis dans ma live là, oui, et Mister Vet Cleaning, il travaille pour nous. Sous-tendez pour besoin de travail. N'importe côté dans Miami, on a besoin de travail. De pour besoin de travail dans Miami, je te fais n'importe 600 jobs dans Miami. Je te fais des jobs dans New York.
dès que vous avez besoin de travail, et bien, pas hésiter, Mr. Vent Clinic, pas hésiter, Mr. Vent Clinic. Écris au courrier dans 786-237-69-66, 786-237-69-66. Si vous avez besoin de fixer crédit ou tout, pas hésiter, M. Olivier Bière, dans 954-328-74-99. Pas hésiter, M. Olivier Bière, dans 954-328-74-99. Et puis c'est parole taxe, pas l'autre parole, que parole, pour l'argabilange, numéro pour l'argabilange, c'est 561-856-41-60. 561-856-41-70. Numéro pour la gabinage, c'est 561-856-41-70. Ok. En tout cas, amis, bon bagay, bon bagay, bon bagay. Bon équipe Fernando, vous parlez de Claude Joseph. Oui, oui, c'est pour parler de la notice là. Oui, ça pour mon balin. Ok? Ça pour mon balin. Hello, Claude Joseph. Oui, a fait pas, oui. A fait pas. Oui, a fait pas, Claude Joseph. A fait pas. Bon bagay, Claude Joseph. Ok? En tout cas, moi-même, je sais qu'on est comme un président fait mourir. Oui, ma vie qu'on est. Moi-même, je sais qu'on est. Bon équipe belle merveille. Par contre, si c'est belle merveille, c'est pas belle merveille. En tout cas, moi-même, je sais papa. Ma grand palacios pas ta cal dormir libre comme ça mon cher. Hello palacios. Oui, palacios coup d'avoir aux États-Unis. États-Unis palacios fédéral lui libre baba. En tout cas, et ou te dit CFBI ou hier, comment le dit il a dit hier, il te dit et ben parler. OK. En tout cas, one love tout le monde. Moi remet nous en pile en pile en pile. One love tout le monde, pas de quitter nous dormir sans breaking news là. One love en pile en pile. Gonne qui dit en pile les gars d'Haïti a boire TV 20 dans dossier Jovenel Moïse là. Et m'pa connait. On a qui dit en pile les gars d'Haïti a boire TV 20 dans dossier Jovenel Moïse là et m'a dit m'pa connait non moi m'pa remet boire mon petit je pas remet boire té ou reprendre des cafés m'remet m'tou gen pèm dans valise moi OK oui oui mais oui oui en tout cas m'tou gen pèm dans valise moi m'pa remet boire té pour ça m'dit m'en pile les en Haïti a gros petit problème boire té là dans moment là et ben ou ka gen l'autre numéro de à toi ou ka gen numéro de à toi acheter papier gros grain qui dit qui bon pour votre passé oui comment les grain qui bon pour votre passé a bam non. Et bien, c'est la cycle de relais, vous l'autre qui pibo toujours pour votre passé. Bon, nos graines qui bon pour votre passé, à mon yo. Par exemple, vos graines, vous dites qui bon en pile. Vous dites que ça bon en pile pour votre passé. En tout cas, bon, nos graines qui bon pour votre passé, à. Parce que vous dites que vos graines qui bon en pile pour votre passé. Ok. En tout cas, n'aguette pas moi, ok. Bon, qui dit que numéro Mr. Vet, là, je suis numéro Mr. Vet, là, écrit en bas live, là, moi, s'il vous plaît, au monde. Moi, dis-nous, c'est via WhatsApp pour nous écrit. Mr. Vet Cleaning. Mr. Vet Cleaning, un job pour nous toutes en même. De bout de ces jobs, et bien c'est à faire Mr. Vet Cleaning. Vous pouvez écrire monsieur sur WhatsApp dans 786-237-69-66. 786-237-69-66. Bon, qui dit grand grain dans l'opéra. Imodium, oui, grand grain dans l'opéra. Oui, grand grain dans l'opéra.